Eh bien bonjour à tous, c'est Castelix et on se retrouve sur Warframe. Et oui, et aujourd'hui c'est pour vous présenter le pack Prime Access Vauban Prime. Et oui, et comme vous pouvez le voir sur l'écran, il est magnifique. Bon, moi en plus je lui ai rajouté ces petits accessoires très sympathiques qui sont superbes. Donc franchement, il est super beau. On va faire un petit tour quand même du propriétaire. Donc là on a la petite Siandana, hein, la Citadella, qui est superbe. Qui est également très très joli, franchement, sincèrement. En plus, vous voyez, il y a un petit machin qui tourne dedans. Waouh, c'est magique. on a également le Fragor Prime, donc comme vous pouvez le voir ici. Petit Fragor, ouais, ouais, ouais. Depuis le temps que je l'attendais, en plus, ce petit Fragor. On a également les Axtiletto Prime qui sont sortis. Donc là, on les voit moyens, mais de toute façon, je vais vous faire voir ça juste après. On a eu également la Cateno Prime. Donc la Cateno Prime se situe sur le manche du Fragor, mais là on va pas trop le voir. Ah si, peut-être là, là. Ouais, voilà. Merci Vauban. Il est très gentil Vauban, il se penche exprès. Donc là voilà, c'est la petite déco qu'il y a sur le manche du Fragor. Donc voilà, bon après c'était dans le pack, ça je m'en fichais un peu. Mais bon, elle était avec, donc hein, on en profite. Donc voilà, donc petit Vauban, voilà, il est sublime, il est superbe. Y a rien d'autre à dire. On a changé également notre emblème de clan. Et oui, donc du coup, on a une petite tête de mort avec des ailes à l'arrière. Et puis bon, par contre, la petite auréole au-dessus se voit un peu moins avec l'éclairage. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça. Mais bon. Donc, allez, on va y faire un petit tour. Tac. Donc, les petits Axtiletto Prime. J'ai du mal. Donc voilà, ils sont sublimes, hein. C'est, franchement il n'y a rien à dire, c'est très très beau. Voilà, beau gosse, Vauban Prime, le beau gosse, on va l'appeler comme ça, petit Vauban Prime. On a le Fragor également, donc là voilà, le Fragor hein, avec la petite Cateno Prime Sugatra juste en bas. Donc le Fragor, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, j'avais hâte qu'il arrive, ça faisait facilement un an hein, que je l'attendais, hein. Je me suis dit un jour il tombera, et ben voilà, il est tombé. Donc non, il est très très beau. Très très beau, bon franchement, une superbe Warframe Prime, une des rares que j'apprécie beaucoup en version Prime, parce que franchement, le skin est superbe. Donc voilà, donc eh bien, écoutez, on va les monter tout ça maintenant, parce que c'est bien beau de présenter, mais il faut les monter. Et puis bah voilà, hein. Donc bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur Vauban Prime vous plaira. Moi je vous dis à bientôt les amis, c'était KCX, ciao ciao.